Donc pour aller avec cette magnifique collection nouveauté de chez Crafter Compagnon qui s'appelle Positive, il y a donc différents dies. Donc vous avez ce lot de trois libellules. Alors vous verrez mieux sur le site de la boutique scrapmerveilleux.fr. Vous avez le détail des photos de ces dies. Donc elles sont ajourées les libellules. Voilà, donc pour cette celle-ci. Ensuite, on a dans la même collection un grand dice de dentelle. Pardon, comme vous avez de la dentelle sur les motifs, eh bien, vous pouvez découper vos bandes de propre dentelle en papier. Alors, essayez par exemple sur du papier vélin, du calque, essayez aussi sur les papiers nacrés, les cardstock métallisés. Enfin, amusez-vous, quoi, vraiment, il y a de quoi faire. Donc, ces dies font presque 18 de hauteur sur 6,4. Donc, ça, c'est la même collection. Celui-ci, Rose Garden, est revenu en stock parce qu'il est vraiment superbe. Je fais plein de choses avec. Vous avez des tutos de cartes sur la chaîne. Et d'ailleurs, en retour, vous avez aussi ces étoiles ajourées. Voilà, donc ça vient de revenir. Il n'y en a pas beaucoup. Si vous le vouliez, c'est le moment de le prendre. Après, ce sera fini Noël. Donc, dans la même collection, on a aussi ce portail. Voilà, Secret Garden. Regardez comme c'est joli. Il a une belle taille. Il fait 9,9 par 15,7. Donc là, pour faire des couvertures d'albums, voilà, c'est cette collection-là. Voyez, ça fait un petit peu la forêt enchantée. Donc, ce die avec de l'ajouré ici. Assez fin, c'est très mignon. Franchement, il y a la serrure et tout pour mettre la clé. C'est vraiment très chouette. Après, on a ces trois-ci. Alors là, ce sont des sets de 8 dies qui vous permettent de faire des bordures ou des bords de page carrément avec différentes formes. Donc, vous avez des fonds ajourés comme ça, de dentelle. Et donc, vous avez un droit comme ceci avec des petites encore des petites fioritures, des petites bordures de cœur de fioritures que vous pouvez ajouter. Ensuite, vous avez des S comme ça, là, des vagues, et ensuite les arrondis comme ça. Alors, vous pouvez faire soit le bord droit comme ça, lisse, soit le bord ajouré avec la petite bordure de cœur qui est en plus dedans. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Vous les verrez, vous voyez par exemple la bordure de cœur. En plus, vous pouvez récupérer les petits cœurs pour faire des confettis. Bon, ça, c'est très sympa. Dans le même esprit, donc il y a celui-ci. Pareil, hein, vous avez 8 dies. Donc voilà, l'arrondi comme ça, la vague, la droite, soit avec les petits. Donc là, ce sont de la dentelle en fait. Ce ne sont pas des cœurs, c'est de la dentelle. Voilà, soit dentelle, soit lisse. Et vous avez celui-ci aussi. Alors c'est pas mal, hein, enfin, l'association des deux bords comme ça réunis, ces deux bords-là, découpés dans les deux sens. Ça fait très joli aussi, hein, là. Faire des cartes, des pochettes, magnifique. Donc pareil, le même principe. Là, ce sont des petites fleurs, en fait. Voilà. Et là, une petite chaîne comme ça de dentelle, hein, ici. Voilà pour ces dies. Bien, j'espère qu'ils vous plairont. En tout cas, je sais que cette marque, ça part très très vite chez le fournisseur. Donc voilà, je voulais vous montrer toutes ces petites choses qui viennent d'arriver. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.